Bien bonjour, on va parler aujourd'hui donc de l'Aktouba suite au cours que nous avons fait la dernière fois sur lequel on disait l'Aktouba, sur quoi signe-t-on au juste. Bien, on va voir qu'il y a beaucoup de secrets dans cette Aktouba et on va essayer de les analyser, de les comprendre et voir jusqu'à où l'engagement est poussé, en particulier en ce qui concerne le Khatan. La première chose, je vous rappelle ce qui est marqué dans l'Aktouba dans les premiers mots. Il est écrit ainsi. Voilà, nous sommes témoins comment ce Khatan a dit à la Kala, soit pour moi la femme, que date Moshe ve Israël, selon la loi de Moshe et d'Israël, et avec Bessiatia d'Ishmaïa, avec l'aide du ciel, à Avod, je vais travailler, va Chabed, je vais t'honorer, va Azoun, je te nourrirai, à Farnes, je vais te soutenir, va Chalkel, je te soignerai, va Tapel, va Albi, Shotar, je vais t'habiller, Kemishpat, Akvarim, Ayudim, etc. Ensuite, il nous parle du montant de la Ktouba qui va lui donner dans le cas où malheureusement il y aura un divorce et de la dira, de l'appartement qui va lui donner, enfin il va tout faire pour elle, il va se mettre en quatre, etc. Alors il y a une chose assez étonnante, très étonnante même, c'est que la Ktouba est à sens unique. Si on analyse bien ce qui est écrit ici, le Khatan ne reçoit rien, il fait que donner. Qu'est-ce qu'il donne? Ben, il donne la bague, il donne la Ktouba. Donc avec le montant, ça peut être 100 000, 200 000, des fois ça peut aller très très loin, selon l'exigence de la part de la famille qui est en face. Donc il y a un engagement financier, il y a un engagement au niveau de tous les besoins qui concernent la femme. Alors, on peut se poser la question, mais je ne comprends pas, et la femme elle a aucun engagement. Ben, la réponse est très simple, ben, c'est non. La femme n'a pratiquement aucun engagement par rapport à son mari. C'est le mari qui s'engage, c'est le mari qui achète, entre guillemets, la femme. Et donc la femme n'a aucune responsabilité envers le mari. Toute la responsabilité est endossée par le futur Khatan. Alors, on voit ensuite qu'il doit l'honorer, puisque c'est marqué « va Chabed, je vais t'honorer ». Il doit lui donner la parnassa, il doit s'engager à la nourrir complètement, il doit s'engager à l'habiller, il doit s'engager à lui donner un appartement, et naturellement, de sa part à elle, wallo, il n'y a absolument rien. Donc ça veut dire que la Ktouba est remplie d'engagements uniquement de la part du Khatan envers la Kala. Alors comment ça fonctionne? Pourquoi c'est comme ça? Ça, on l'apprend de la Kabbalah. Dans le Zohar, dans le Alpisod, on apprend que l'homme fait partie, il y a dans le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde Amashpia, le Olam Amashpia, c'est-à-dire le monde de celui qui influe, qui entraîne, qui donne. Et il y a ce qu'on appelle le Olam Amekabel, le monde de celui qui reçoit. Et là, la Kabbalah nous dit que la femme, l'homme plutôt, fait d'abord partie du Olam Amashpia, du monde qui donne, du monde qui entraîne. D'ailleurs, c'est que l'homme est toujours comparé à la pluie, alors que la femme est comparée à la terre. Donc on voit bien que la terre ne fait que recevoir, et ensuite elle donne, alors que la pluie, ben, c'est elle qui donne sans rien recevoir en contrepartie. Ben, c'est de la même manière aussi pour l'homme et pour la femme. L'homme est censé donner, est censé influer dans le monde, alors que la femme est censée donc recevoir. Il n'y a pas un monde qui est mieux que l'autre, mais c'est déterminé ainsi. Même chez les gens en général, dans le monde en général, on voit qu'il y a des gens qui sont faits pour donner et d'autres qui sont faits pour recevoir. Ça ne veut pas dire que celui qui reçoit est moindre que celui qui donne, mais c'est ainsi. C'est ainsi. Donc, en ce qui concerne l'homme et la femme, eh bien, l'homme va donner et la femme va recevoir. Donc ça veut dire que, alors, si l'homme doit donner, alors qu'est-ce qu'il doit donner? Ben c'est facile, l'homme doit donner par exemple du kavod à sa femme. On va en parler un peu plus longuement juste par la suite, mais donner du kavod, ça veut dire la féliciter, lui donner des cadeaux, lui donner de l'argent, alors que la femme, ben y a rien. Jamais on a vu que la femme devait féliciter sans arrêt son mari, jamais on a vu que la femme devait donner des cadeaux, jamais on a vu que la femme devait donner de l'argent à son mari. Ça ne veut pas dire pour autant que, je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent, ça ne veut pas dire pour autant que la femme est dispensée de donner du cadeau à son mari ou qu'elle est dispensée de le féliciter quand il réussit quelque chose, au contraire. Mais disons que l'obligation incombe avant tout et avant tout
tout le monde, d'abord le mari. C'est le mari qui s'engageait là-dessus. Bien entendu, une femme doit respecter son mari. La preuve, c'est marqué dans la Gemara qu'une femme, par exemple, il y a trois choses pour lesquelles la pauvreté, la aniout, tombe dans un foyer. C'est une des trois, c'est lorsque la femme insulte son mari. Donc ça veut dire lorsqu'elle lui manque de kavod. Donc bien entendu, ce kavod doit être réciproque d'une manière ou d'une autre, mais on va dire qu'il doit être un cran au-dessus concernant le mari envers sa femme, alors que la femme envers le mari doit lui donner du kavod normalement, sans, pas à outrance. Alors que dans le sens contraire, le mari doit donner du kavod à outrance à sa femme. Et donc c'est par le biais surtout de la parole, par le biais de l'argent, par le biais des cadeaux qu'on doit ainsi réaliser. Donc ça veut dire que si l'homme devient un vrai homme, d'ailleurs je vous engage à regarder une vidéo, tapez dans Google « devient un homme » et je parle énormément de ce sujet pendant longtemps et c'est un cours qui avait été donné en public, la vidéo n'est pas de très bonne qualité mais le contenu est assez explosif, je vous engage à voir cette vidéo qui s'appelle donc le titre « devient un homme ». Donc, en l'occurrence, si l'homme devient un vrai homme, ça veut dire qu'il respecte son statut de mashpia, de celui qui influe dans le monde, automatiquement, il y aura du shalom bayit. Mais s'il ne tient pas son rôle, et qu'à plus forte raison, il veut lui recevoir de sa femme, il va y avoir, les rôles vont être intervertis. Et quand on intervertit les rôles, ça veut dire que l'homme, au lieu de devenir un homme, il va vouloir recevoir. Et on a dit donc que le fait de recevoir, c'est quelque chose donc, qui est relatif à la femme, il va se passer un gros problème, c'est que, par exemple, il va vouloir recevoir du kavod, il va vouloir recevoir de l'attention, il va vouloir avoir de la considération de la part de sa femme, toute la maison va s'en trouver complètement retournée. Pourquoi ? Parce que le désir de recevoir est un désir féminin. Vous entendez bien ce que je viens de dire ? Le désir de recevoir est un désir absolument féminin. Donc lorsque l'homme demande du kavod, demande de la considération, demande de l'attention, etc., il est en train de devenir quelque part une femme. Or, quand une femme vit avec une femme, c'est impossible. Automatiquement, il ne peut plus y avoir de shalom bayit dans la maison. C'est impossible parce que la femme a son rôle de recevoir et l'homme a son rôle de donner. Si l'homme se met à vouloir recevoir comme la femme, donc ce sont deux femmes qui vivent ensemble sous le même toit et il peut y en arriver des catastrophes. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on lit la Ktouba aussi, une chose qui est essentielle, c'est que les premiers mots dans lesquels le Khatan s'engage envers la Kala, c'est « Besiata Dishmaya » avec l'aide du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'aide du ciel ? C'est-à-dire avec de la Emouna. C'est-à-dire on ne peut pas concevoir de réussir son mariage si on ne met pas la Emouna Tachem, la foi absolue et immense en Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on pense pouvoir se débrouiller tout seul en ce qui concerne son ménage, on est très loin du compte et on peut arriver à avoir beaucoup de problèmes. Si au contraire un homme met toute sa émouna, toute sa force, toute sa conviction envers Hachem, parce qu'il va y en avoir des problèmes dans le mariage. Il va y avoir des problèmes de parnassa, il va y avoir des problèmes d'entente, il va y avoir des problèmes familiaux, des problèmes de santé des enfants, des problèmes parfois même pour avoir des enfants. Donc si on ne met pas la émouna, on n'est pas conscient que tout ce que nous fait Hachem, c'est pour notre bien et pour nous éprouver essentiellement, alors on va au-delà de grands problèmes. C'est la raison pour laquelle le Khatan dit au tout début, dans le cadre de la Ktouba, « Ubesiata dishmaya ahavod vechabed veazun » avec l'aide du ciel, je vais travailler, parce que comment travailler si on n'a pas l'aide du ciel ? Comment je vais pouvoir t'honorer si je n'apprends pas justement à t'honorer et que c'est avec l'aide de Dieu que je vais réussir aussi à t'honorer ? Vazoun ou Efarnet, je vais t'entretenir, je vais te soigner, je vais t'habiller, etc. Tout ça, si on n'a pas l'aide du ciel pour y arriver, on n'a aucune chance d'y arriver. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut développer en premier lieu ? C'est la Emouna. Juste après ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Après Bissat Adishmaya, Ahavod. Là, il faut s'engager à aller travailler. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire aller travailler ? On a une obligation. Chaque homme qui se marie a l'obligation d'aller bosser. On lui dit « va bosser » en d'autres termes. « Va travailler et va nourrir ta femme. » Tu n'as pas le choix autrement. On est condamné à ça. C'est une clala, c'est vrai. Maintenant, si quelqu'un a les moyens et qu'il a une rente, etc., il n'a aucune obligation d'aller travailler. Mais s'il n'a pas de rentrée d'argent d'une manière ou d'une autre
Même s'il est au collège, il n'a pas le droit de se défiler de son rôle, d'être mépharnès, la maison, ça veut dire de nourrir son foyer. Bien entendu, maintenant, le collège lui donne une bourse, il s'arrange, il donne des cours, il fait ce qu'il a envie, mais il a l'obligation, al-pi al-akha, de ramener la parnassa à la maison. Il ne peut pas se soustraire à cette chose-là. Ou alors, par exemple, il y a des gens qui sont des grands ma'aminim, et donc des grands, grands croyants en Hachem, et qu'est-ce qu'ils vont commencer à dire ? Mais tu comprends, toi aussi, tu dois avoir l'aimouna, ma femme, il faut travailler ta aimouna, si on n'a pas de parnassa, c'est parce que Hachem, il a voulu ainsi. Il faut se calmer, on n'est pas là pour faire donner des leçons de aimouna à sa femme, on est là pour être mépharnés sota, pour lui donner la parnassa, pour la nourrir et pour l'habiller. Que maintenant, moi, j'y arrive pas, c'est pas son problème à elle. Elle, elle n'a pas rentré dans ce genre de considération. Moi, je me suis engagé devant Dieu et devant les hommes de signer dans la Ktouba, dans lequel j'ai écrit et signé, que je vais travailler pour elle. Et c'est comme ça. Donc c'est pour la raison, on voit encore une fois, que la femme n'a aucune obligation d'aller travailler. Si elle le fait, c'est pour m'aider, elle me rend service. Mais elle me fait presque une tova, c'est-à-dire elle me rend une gentillesse. Mais l'obligation incombe essentiellement au niveau du mari. Dans la Ktouba aussi, on voit que le kavod est avant la parnassa. Comment c'est marqué tout à l'heure ? Be'siata dishmaya, avec l'aide du ciel, avod, je vais travailler, va'achabed ve'azun, je vais l'honorer, Ve'azun, ve'afarnes, et après je vais l'entretenir, je vais la soutenir, je vais lui donner à manger, etc. Donc on voit que le inyan du kavod, ce inyan de respecter sa femme, a été mis avant même la parnassa. Le travail, c'est une chose, mais la parnassa, le fait de la nourrir, de s'occuper d'elle, c'en est encore une autre. Et juste avant, on doit d'abord, avant tout, l'honorer, la respecter. Ah, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important, de tellement grand à devoir respecter sa femme ? Elle aussi doit me respecter. Peut-être, elle doit aussi me respecter. Mais moi, je dois la respecter encore plus qu'elle. Pourquoi ? Parce que le fait de le kavod chez la femme, c'est quelque chose qui est vital. C'est quelque chose qui est dans son nefesh. Si elle ne reçoit pas du kavod de la part de son mari, elle peut en mourir. Pas en mourir littéralement, mais en mourir dans son fort intérieur. Sa neshama, son âme ne vibre qu'à partir du moment où elle reçoit du kavod de son mari. Et donc, ça veut dire que ce besoin qui est vital pour elle, c'est comme de l'oxygène qu'elle est en train de recevoir. Si elle reçoit du kavod de la part de son mari, elle est en train de respirer, elle est en train de grandir, elle est en train de palpiter, elle est en train de briller. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une catastrophe à tous les points de vue. Même si par exemple maintenant le mari lui donne des cadeaux, lui donne de l'argent, etc., mais qu'il ne lui donne pas de kavod, ça va entraîner qu'il n'y aura aucune simra chez la femme, aucune joie, et elle n'aura aucune envie de vivre avec son mari. Donc vous voyez à quel point cet inyan de kavod est quelque chose de fondamentalement important pour la femme. On ne peut pas du tout s'y soustraire. Alors, vous allez me dire, alors comment on fait maintenant pour donner du kavod à la femme ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? La première chose, c'est ne pas la critiquer. Ce sont des choses que je vous dis maintenant, mais qu'on va y revenir dans beaucoup d'autres cours, parce que ça demande énormément d'explications et de développement. Ne pas la critiquer, c'est quelque chose qui est vital. Même s'il y a des choses qui nous déplaisent chez elle, on n'a pas le droit de la critiquer en front. On peut lui faire peut-être une allusion par le biais de quelqu'un, mais jamais lui dire en front exactement le mal que l'on pense d'elle. Ça peut la tuer, ça peut la laisser par terre. Premièrement. Deuxièmement, ne jamais lui faire honte. Il y a certains maris qui se plaisent au jeu, que lorsque par exemple la femme n'a pas bien réussi à manger, ou elle a mal conduit sa maison, ou elle n'a pas réussi ce qu'elle devait faire, de lui faire honte. On n'éduque pas quelqu'un, et ça c'est aussi pour l'éducation des enfants, on n'éduque pas quelqu'un par le biais du bisayon, par le biais de faire honte à quelqu'un, en aucune manière. Et surtout, lorsque la honte provient de la part du mari envers sa femme, ça la tue littéralement dans son fort intérieur. Troisièmement, comment on donne du kavod à sa femme ? En ne se disputant pas avec elle. Il ne faut pas qu'il y ait des sources de conflits entre nous, en aucune manière. On peut discuter. Si maintenant on sent qu'il y a une certaine tension, il faut d'abord attendre. Attendre des fois 24 heures, voire 48 heures, revenir sur le sujet avec le sourire, avec envie de parler, de communiquer. C'est très important pour elle de communiquer avec son mari. Un quatrième élément, c'est accepter ses sentiments, accepter ce qu'elle ressent. Des fois, elle dit des choses qui nous paraissent bêtes, dans lesquelles il n'y a pas vraiment un fondement. Il faut entendre ce qu'elle dit, il faut apprendre à l'écouter et à respecter ses sentiments. Encore un autre point qui est très important, c'est s'intéresser à ce qu'elle fait.
un moyen de lui donner du kavod, c'est quand on voit, par exemple, elle réalise un travail qui est nouveau pour elle ou une nouvelle chose, etc. Tiens, comment ça marche, comment ça se passe, etc. Qu'elle sente qu'il y a une présence, que son mari s'intéresse complètement à elle. C'est comme ça qu'on donne du kavod à sa femme. On n'est pas là à donner du kavod, du style, tu es belle, etc. On peut lui dire ça aussi, elle a besoin de l'entendre. Mais elle a besoin surtout d'entendre qu'on s'intéresse à ce qu'elle fait. Aussi, la complimenter. Par exemple, elle a réussi quelque chose, un nouveau job, une nouvelle chose qu'elle a fait dans sa vie. Il faut sans arrêt la complimenter, lui dire c'est super ce que tu as fait, etc. Bien que nous, ça nous paraisse complètement tout à fait simplet, mais pour elle, c'est sa vie, surtout lorsque ça vient de la part de son mari. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention de ne jamais se montrer critique envers elle et ou de déceler des manques qu'elle aurait. Donc tout ça, c'est le kavod qui est essentiel, vous voyez, dans ces mots-là, qui ont été mis avant même le fait de la soutenir, de l'entretenir, de l'habiller, de lui acheter la maison, etc. Avant tout, ce qu'elle veut entendre de son mari, c'est que son mari la respecte avec tous les points que nous avons développés maintenant. Il y a aussi un autre point qui est la mitzvah de Ona, Veonater, Kederer Kola Aret, c'est-à-dire pourvoir donc à tous ses besoins, tous ses habits. Veonater, c'est son droit conjugal. Le droit conjugal, ça veut dire que le soir du mikvé, il y a une obligation d'aller avec sa femme. En aucune manière, chasve shalom, chasve chalila, de refuser le droit conjugal à sa femme le soir du mikvé. C'est une chose qu'elle attend, une chose qu'elle a besoin, même si, effectivement, il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser autour du droit conjugal. Il va y avoir beaucoup d'autres cours qui vont être faits en la matière, que je vais développer là-dessus, parce que c'est un problème qui est très épineux à tous les points de vue. Mais malgré tout, il n'en reste pas moins que c'est un droit auquel elle peut être en droit d'exiger. Et c'est une chose dans laquelle le mari a l'obligation envers sa femme. Donc il a l'obligation le soir du mikvé, il a l'obligation au minimum une fois dans la semaine, et il a l'obligation à chaque fois que l'on montre le désir. Alors vous allez me dire, en général, c'est plus l'homme qui a le désir que la femme, et que la femme aujourd'hui veut se soustraire justement à ce droit qu'elle serait en droit d'attendre de la part de son mari. Mais il va y avoir plusieurs cours qui seront donnés en la matière. Je vous laisse attendre quelques temps, et après on en reparlera beaucoup plus tard, et d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus attentionnée, parce que ça mérite qu'on développe énormément le sujet, tant le problème est crucial, et tant c'est un problème qui est sérieux dans le cadre des divorces, des raisons des divorces. Voilà. Donc on a grosso modo parlé des points essentiellement importants qu'il y a dans la Ktouba, et vous voyez à quel point les choses sont très loin différentes comme on aurait pu les imaginer. Donc ce que je vous engage, c'est revoir ces cours plusieurs fois, jusqu'à ce que vous en appreniez complètement et que vous arriviez à les accomplir. Bezrat Hashem, que vous soyez méritant d'avoir un très grand shalom bayit, une très grande réussite dans votre mariage. Et on va se revoir donc dans les prochains cours et on reparlera de tous ces points-là. À très bientôt et b'hatzlacha rabba. And who do we learn to call upon and trust in Him? And when the new moon shines, then our spirits climb. The new month has begun, bringing us close to Him each morning with a rising sun. Well, who to give thanks to? When a child is born, and who do we ask to keep her new life free from harm? And who is always there giving love and care to everything that's new? He is the Lord of all creation who stands by you. Melech ha'olam shehechiyanu, Melech ha'olam v'kiyimanu, Melech ha'olam v'higiyanu.
מלך העולם ופי עמנו מלך העולם והגיענו לדבר הזה In this world of all mystery His glory is there to see Yes, the day becomes history And tomorrow's for you and me Tomorrow's for you and me So who is the reason For everything to grow? Who brings each season And all happiness to flow? And every holiday